Fil Info de la matinale du 14 mars 2023. Chers amis, bonjour. Entre le népotisme et le tribalisme au trésor public, des agents qui sont admis à la retraite ont effectué, sont en train d'effectuer les contrôles au niveau de Pointe-Noire aux dépens des personnes qui sont sur place. Développement dans la matinale, place à la météo. La météo de ce 14 mars 2023, nous partons de la ville de Brazzaville où ce matin vous vous levez avec 21 degrés sous un beau soleil. Aucun nuage dans le ciel. Au plus fort de la journée, vous aurez 32 degrés. Vous allez profiter d'une belle journée. Quelques apparitions de nuages dans l'après-midi, mais rien de grave. Le soleil lui se couche à 18h12. Après Brazzaville, nous partons dans la ville de Madingou où à Madingou ce matin vous vous levez avec 22 degrés sous un ciel nuageux. Au plus fort de la journée, vous aurez 32 degrés. Aucun risque de précipitation n'est à déplorer du côté de Madingou, où le soleil, lui, se couche à 18h19. Après Madingou, nous partons dans la ville de Sibiti, où à Sibiti, ce matin, vous vous levez avec 21 degrés sous un ciel nuageux. Au plus fort de la journée, vous aurez 30 degrés. Aucun risque de précipitation n'est à déplorer du côté de Sibiti. Vous allez profiter d'une belle journée. Le soleil, lui, se couche à 18h19. Après Sibiti, nous partons dans la ville de Dol City à Dolisie, où ce matin, vous vous levez avec 22 degrés sous un ciel voilé. Dans l'après-midi, par contre, il y a risque d'orage dans l'après-midi, mais une accalmie est attendue dans la soirée. Le soleil, lui, se couche à 18h22. Après Dol City, nous partons dans la capitale économique Pointe-Noire, où ce matin, du côté de Pointe-Noire, vous vous levez avec 24 degrés sous un ciel voilé. Au plus fort de la journée, vous aurez 30 degrés dans l'après-midi. Les nuages se dissipent pour laisser place à un soleil. Aucun risque de précipitation n'est à déplorer du côté de Pointe-Noire. Le soleil, lui, se couche à 18h28. Après Pointe-Labelle, nous partons dans la ville de Djambala, où à Djambala ce matin, vous nous recevez avec 19 degrés sous un beau soleil, aucun nuage dans le ciel ce matin. Dans l'après-midi, vous aurez quelques apparitions des nuages, mais rien de grave. Quelques risques de précipitation dans la soirée. Le soleil lui se couche à 18h13. Après Djambala, nous partons dans la ville de Gamboma, Garm City, la ville de Robert Célestin Mamboli, où vous nous recevez avec 21 degrés sous un ciel dégagé, aucun nuage dans le ciel, risque de précipitation dans l'après-midi, une accalmie est attendue dans la soirée, le soleil lui se couche à 18h09. Après Garm City, nous partons dans la ville d'Owando, Owando, la ville chère à Marie Ngwabi, où ce matin, vous vous levez avec 21 degrés sous un ciel voilé. Dans l'après-midi, aucun risque de précipitation n'est à déplorer du côté. Au plus fort de la journée, vous aurez 33 degrés. Vous allez profiter d'un très beau soleil dans l'après-midi. Le soleil, lui, se couche à 18h08. Après Owando, nous partons dans la ville de Wesso, où à Wesso, vous allez profiter d'une très belle journée. Dès ce matin, vous vous levez avec 20 degrés sous un ciel voilé. Au plus fort de la journée, vous aurez 32 degrés. Aucun risque de précipitation n'est à déplorer du côté de Wesso. Le soleil, lui, se couche à 18h08. Après Wesso, nous terminons notre météo avec la ville d'Imfundo, où à Imfundo, ce matin, vous vous levez sous l'orage avec 21 degrés, mais une accalmie est attendue dans l'après-midi. L'orage va laisser place à un beau soleil et le soleil lui se couche à 18h00. Ainsi s'achève la météo, place à la matinale. Alors, chers amis, bonjour. Les fidèles de la matinale, on a Pessibino Mbote, l'Osako et le comte de Courbevoie. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 mars 2023. Recevez le bonjour du comte de Courbevoie. Je suis désolé. On va partager les vidéos. J'ai pas eu le temps de partager la vidéo. Donc, je vais le faire avec vous en direct. Et puis, surtout, OK.
to partager vidéo na biso oyo et à la matinale et à l'élan. Donc, il suffit d'aller sur la page de Ziana TV. Je recherche ma vidéo, elle est là. J'appuie sur partager. Partager maintenant. J'ai partagé. Voilà. Je copie maintenant le lien. Je repars. Il y a trois points dans l'Ikolo Kuna. Vous copiez le lien. Vous repartez sur la vidéo. Vous copiez le lien. Je vais copier le lien. Je vais le mettre dans le groupe WhatsApp de la matinale. Yango Yawa. Je mets dans le groupe WhatsApp de la matinale. Et puis, Botini Penaba groupe. Oyobino Bokoki Koti Akuna Baninga. Alors, donc, on va prendre faire ce petit exercice-là. C'est un petit exercice caca. Allez, c'est parti. Les amis, on a trois minutes pour se dire bonjour. C'est toujours agréable de se dire bonjour. On ne peut pas dire que non, ce n'est pas bien de se dire bonjour. Et allez bien. Faut topé sa gambote. Tout se pèse à Baninga, Abisso, Bobazali. On dirait bien. Odilon Zamba, bonjour. Blanche Mayambi, bonjour à toi. Bonjour. A Chong Chong, Jonas Keron, Kilo Davis, Mukana, Londri Chitembo, Ngoma Fefe, recevez le bonjour du comte de Courbevoie. Devinci Mukana, bonjour à toi, bonjour à Salamon Ontari, Ngoma Fefe, Odion Biangana, ce que j'ai dit tout à l'heure, alors Baninga et Ali et Sengoming aujourd'hui. Où que vous soyez du côté de Dimfondo, recevez le bonjour du comte de Courbevoie, que vous soyez du côté de Wesso, recevez le bonjour. Que vous soyez du côté d'Owando, recevez le bonjour. Du côté de Djambala, Mbotenabino. À Brazzaville, recevez le bonjour. Si nous partons du côté de Kinkala, Beniyambambote, il y a le camp de Courbevoie, Madingou, Sibiti, Beniyambambote, Yamounoussi. Nadolizi, Mbotiabeno, Pointe-Noire aussi, recevez le bonjour du camp de Courbevoie. Françoise Boulouansa, bonjour à toi. Sandra Malanda, Boubaro Barel, Jean-Serge Maungu, Jen Johnson. Recevez le bonjour du comte de Courbevoie. Rumemba Pierre, bonjour à toi. Yasmina Donaï, Bozouambote, Brice Brice, reçois le bonjour. Eric Ngolo, bonjour à toi. Goré Matimouna, Yanimas, bonjour à toi, chargeur universel. Rodrigue Etou, bonjour à toi. Yaya Makapache, bonjour. Roven Madi et Franck Matokot, bonjour à toi. Fiac, Noël Ndila, reçois le bonjour. Rovik Ndiba, bonjour. Alors, on a Pessimino, Valentin Boussou, recevez Paul Russell Ntika. Alors, c'est un bon, réel plaisir. Paul Jenny, bonjour à toi. Flavien Aristide, Batantou, recevez Boubarou Barel, Beniyabambot, il y a le comte de Courbevoie. Que vous soyez du côté de Drouille, Yaya Makapache, reçoit le bonjour. Georges-Olivier Louébé, recevez le bonjour. Patrick Guélor, bonjour. Léon John, bonjour. Arsène Bakana, Benkouzouambotamono, il y a comte, il y a Courbevoie. Brice Zoba, bonjour à toi. Yvetti, de la grâce, bonjour à toi. Ah, tiens, Jocelyn le bachelor reçoit le bonjour du comte de Courbevoie. Alors, le sapologue Ben Mukasha, Yopé Yamba, le sac où il y a le comte de Courbevoie, Christian Otuli, Ben Yambamboti Yamoun. Alors, Yakensai, Mingi, le Rey, Nkoko, Nakukutana, Ben Boubiaï, Toko Solo, la Makambo, Yambo, Kanabisova, Bengi, Congo, Brazzaville, les amis. Alors, Nabo Santé, le duc de Gomboma, Robert Célestin Mambouli. Patrick André Serge Makaba, le maire de Conflans-Sainte-Honorine, reçoit le bonjour du comte de Courbevoie, Baninga, Ezali, Esengomingi, Mokolo Yaleloyo. Ah, Moninga Nabino, votre serviteur, Brice André Deco, est au rendez-vous. Irène Mugani, bonjour à toi. Lestiven Bouchard, bonjour. Flavien Aristide Batantou, Makita Fred, Ad Gondo, recevez le bonjour du comte de Courbevoie. Jean-Claude Mapuka, bonjour à toi, Congo Liberté, bonjour à toi. Baninga, Yakelensa, Imingi, Mokepe Sarapang, Yamuntena Kote, Ya YouTube aussi, Baou, Sophie Mankesi, bonsoir, HB Bikwidi, Black Votou, recevez le bonjour du comte de Courbevoie. Sigo Sigo, reçoit le bonjour du comte de Courbevoie, Sophie Mankesi, Jonas Ankilo, c'est déjà dit, Deklombumba, recevez bienvenue, Charlotte Matondo, reçoit le bonjour, Olivier Mankou, Ben Kouzoua Ferdinand Bayonne, Ben Kouzoua Mbote, Ya le comte de Courbevoie. Djembo Marie Adélaïde, bonjour à toi. Bonjour à Ejone Yaya Young, bonjour à toi. Bonjour à Loulou. Loulou Castagnette, bonjour à toi. Bonjour à Ferdinand Bayonne. Bonjour à Julie Kayel Gongia, bonjour à toi Maninga. Topesi, Tobo Sanité, Ale Makaya, Maluata de Manessi. Et Tobo Sanité, Lynn Bagana, du côté de Tchétché, reçoit le bonjour du camp de Courbevoie. Yacinthe Boulouzolele, Mbotiyange, Kodele, Emana, bonjour, bonjour. Ah, Baninga, bon, nous allons commencer notre émission parce que à l'heure, vous allez quand même. Nous allons faire un tour du côté de la régie pour voir l'évolution du cours du pétrole. Alors, le cours du pétrole aujourd'hui s'est négocié à 79,93 $. Ça a diminué par rapport à
Na la semaine d'Engeto Bandaki Ango, on est en dessous de $80. Nous savons que le budget de la République du Congo a été voté sur la base de $85 le baril. Là, nous sommes à $79.93. Papa Ngamoun, inutile de vous dire, Botala Baninga Nabiso n'a coupé Sabino information en 2022, l'Arabie Saoudite a fait un record bénéfice à $122 milliards. Il y a ma recette où il y a sali à pétrole. Il y a communiqué. L'Arabie Saoudite a communiqué. Au Congo, Brazzaville, donnez-nous un chiffre. Bokotisi Mbongo boni na pétrole en 2022. Puisque bon, le bakabino, vous avez un gang à maïel, ben, qu'elle a maïel, a ben, zaba, mambou, y a le Congo, nyoso, ni ben, zaba, fosso, mambou, que l'outa, na Congo, Brazzaville. Bon, y a mis sa biso en 2022. Quelles ont été les recettes au bino au côté ça qui y a pétrole na biso ya Congo Arabie Saoudite a utopé ça va publier va résultat na bango $122 milliards va gagner $122 ou $122 milliards de dollars au bango à côté ici y a bénéfice donc les bazo pesa ka chiffre na ba yebi que mbongo et koti ba bénéfice et koti ba ko sala mon salaire ba ko sala ba orientation vous êtes incapable de nous donner un seul chiffre et bon le banabiso chaque jour bo ya kana ba mikanda ko l'accès biso ti bino moto bo sala. Alors les amis, nous allons maintenant partir du côté de la régie. Bokonekota, le calvaire, nous allons rentrer un peu dans le sujet qui concerne la difficulté des Congolais. Le quotidien des Congolais, de tous les Congolais, tous les jours, Bokomanandenge, passe Nabiso, Tokéina la régie, Tokonekota, embouteillage, Oesalamakana, côté, il y a Pont du Dieu, Ben Mossi, Ben Etala, Ouafoso, Bantu, Ketala, Passikoun. La régie, s'il vous plaît. À 200 mètres du pont du Jouet. Yayi Bapangamoun Benen Nakutalaka Yayi, c'est la situation qu'endurent les populations de la partie sud de Brazzaville. Ces personnes-là ont accès à bas où il y a quelqu'un qui a mossi. Accès à quelqu'un qui a mossi. Il n'y a pas d'issue. Issue à secours. Il y a issue d'entrée, n'est à sortie. Et Zali Kaka Moko conditionné par le pont du Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes-là sont pris en étau. C'est-à-dire que, bon, bazo, yutaka. Na Brazzaville, kunaba ko lingo traverser, bon, c'est toujours Brazzaville. Donc, à notre époque, au bout, ma kere, kere, soki nini, ba bifuichuana, bo kichi pont du Dieu, et bo kichi, et descente, oyo, ba benga, ya bifuichuana, na bo bazo, ou t'en a parti, ya matou, plus, ba borisin, zela, soki, ya la cornichuana, bo bako kene, ba kene, kote, ya lomes, pasi, pon na kolika. Bo bako, ou tape, ba nganga lingolo, ba loua, ba mafuta, tous les quartiers, ma sisia, sangolo, Ma yanga, bango tuwana, pona kokota na Brazzaville et lelo. Au monibo, au monawana, le bouchon qui est là, les gens pour faire 200 mètres, ils vont faire 45 minutes. Na kachupuna. Pona nini, parce que l'État est démissionnaire, l'État a monique, on lui a fongola même le deuxième pont qui est là, alors qu'avec tout l'argent englouti dans la municipalisation accélérée de Jean-Jacques Bouya, l'homme qui gère que des milliards, 1000 milliards multipliés par 2, ça fait 2000 milliards. Na kachaba 2000 milliards. Na benke talak et mambou ya kiadre betana ou vivre na Congo Brazzaville. Dans ce moment, il y a une situation, oh, on aurait pu rénover. Puis ce bino, ben, idée, c'est la kate. Il fallait, bon, rénover le notre pont qui est à côté. Si vous n'avez pas les moyens, bon, rénover pour mon sousouana et qu'on soulager, bon, y'a bako yaka, et ça la double fille. Et là, bah, ça, il va créer même 4 filles. Mais ça n'avance pas toujours. C'est pour vous dire le calvaire. C'est la même chose dans la partie nord de Brazzaville. Parce que j'ai pas, pour que vous fassiez pas encore des trucs, je ne sais pas, des conclusions hâtives n'importe comment. C'est pareil. Du côté de la partie nord de Brazzaville, ils vivent le même calvaire que la partie sud de Brazzaville. Mais là, j'ai les images. La partie sud de Brazzaville, Yangwana, Nakola, Kisakabinango,
calvaire, il y a ma population, pas s'il y a peu, tous les jours calvaire. Les gens sont obligés de se lever à 4h, 5h du matin, si tu veux te retrouver à 7h, 8h à Brazzaville, si tu as un rendez-vous, si tu as un voyage, sur Okelemi, Madame Mouté, Okokate. On oublie même, dans la partie sud de Brazzaville, se trouve même le siège de l'OMS. Et siège à l'OMS, c'est Zalikuna. Et Nakatsa siège à l'OMS, à Batouanane, va voyager, qu'ils sont obligés de quitter là-bas très tôt. Bah, on voyage à 10h, mais ils quittent. Et comment on appelle ça? Et l'OMS, Sukuna, n'a pas 5h du matin pour que bas, je possibilité, bas, comme un aéroport, n'a tout à bien. Y'a que les Kiani Mingi, bête, quand j'ai qu'on a régi, tant que n'est qu'on l'a Sabino, la rue Itumbi. La rue Itumbi, oh, et bino, bon, moi, n'a pas qu'on connaissait, n'est qu'à bisoto yem, sa rabino, bota, la bino, encore rue Itumbi, comment d'engenin. Tant que c'est qu'on a la régi, ati, abiso, rue Itumbi, pour que bota, la d'engenini, bah, passe, y'a peuple, ezali. Bon, qu'on y a l'éloi. Congo, en 2025, pays émergent. Regardez l'état des routes. Ici, on est sur la rue Itumbi. Regardez. La rue Itumbi. Les grosses cuvettes de Mardou. Ça, c'est la rue Itumbi. Congo. Pays émergent. 2025. Ah! Ah ouais, tu es dans la rue Itumbi. T'as un dingue de là et comment? Ah ouais, tu es dans la rue Itumbi, tu es occupé. Tu vois la rue Itumbi, tu as la vie de mon état. On va boule partout, la cuvette. Dans la rue Itumbi. Retour, rue Itumbi. Après, ça, seul, Nzela et Bébé Boéta, Nzela, tout presque. La Brazzaville. Presque. Quand je dis presque, les gens attendent Nzela au Kende. Le côté de la Maïti. De Awa, même fois, de la Moninga, les gars, comme ça, yo, les gars. Ok, le mouka. Ça va être un dingue comme. Oui, car il est tout. Parti me sous. Quand tu as vu, on va lire, parti, baby. Ça va être un délai, parti me sous. Donc, c'est compliqué. On a réussi tout. J'entends des gens dire que fait le maire de la ville de Brazzaville. Bon, mon ébino, mon corps passe, il y a peuple, la rue Itumbi, moi j'ai encore des souvenirs. Avant tout, sur la Makamouya municipalisation, accélérer tout Tikanani. La mairie a un budget. À quoi sert le budget de la mairie? Lorsqu'on essaie de pondre l'argent dans les poches des Congolais, ba impôt qui n'a qu'à chabazando, boke so qui n'a la morgue, boke ko sa so qui nini nini, ma kambonyon so tout, mbongwana et la mairie, surtout la ville de Brazzaville. Est-ce que vous savez comment ça se passe? Vous savez que la mairie de Brazzaville, ils allaient mairie à centraliser que ba recette municipale de toutes les villes du Congo. La mairie de Brazzaville, ba recette, y a mairie à Brazzaville. Inutile, Nayeb Sabino qui gère les recettes à la municipalité de Brazzaville. Unity na yeb sabino ango. Parce que son a le bino ya ke pespe ma colère awa. Bino mon kobo devine qui est la recette de la municipalité ya Brazzaville. Avant tout sur le lakaka makambo ya municipalisation accélérée. Parlons seulement des recettes. Oye kotakana Brazzaville. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Mais la rue Itumbi qu'on nous montre là, la rue Itumbi. Mais combien de fois, bah, ça, là, bah, travaux, na rue, Itumbi, bah, Boris, bah, Tiba, Goudron et Vanda. Comment se fait-il chaque fois au Congo, lorsqu'on fait les routes sont biodégradables? Bah, Zela, wana, vie, durée de vie, d'avant, 3 ans, 4 ans, 5 ans, au Moni et Timoun. Tango, bah, ça, là, quand même, vous savez, il y avait une société, na, évité, soit avant, au Bengango, et c'est, na, évité.
Asalaka tronçon, rond-point de Mungali, commune de Mungali, ba benga soki ba ingénieur au bac plus 80, ba yaka kuna, ba tchaka ba fer, ba tchaka nino, ba sala nzela, nzela no esimba. Mena mon kolo yale loyo, ba nzela wana etambo la kalisusute. Etambo la kalisusute. Non, ça sert pas de me contredire. Madame Tchitché ne gère pas ses recettes. Tout est géré, c'est pas Madame Tchitché qui gère ses recettes. Toutes les recettes, tous les soirs, na yebi sibino. Ce que vous allez dans l'information, renseignez-vous dans la matinale. Il y a un avion tous les jours à 2h du matin qui fait la ronde des grandes villes de Brazzaville pour récupérer les recettes. Donc arrêtez, lorsqu'on dit les vraies choses, ne venez pas contredire ce que les Congolais, Bakomo n'a pas si. Tous les jours, si vous ne savez pas, je vous donne l'information, exclusivité la matinale, tous les jours. À 2h du matin, il y a un avion qui fait la ronde des grandes villes pour aller récupérer les recettes dans les grandes villes du Brazzaville, du Congo Brazzaville. Bambongo wana bosala kanango nini bambongo wana. Qu'est-ce qu'ils en font de cet argent? Bon, ce qui t'ont dit qu'on a rue Itumbi, moi j'étais là rue Itumbi, là va rénover Kango. Basalaki Ango, Balaki Sibiso, Basandene et Zalaki. Vous savez, dernièrement, j'ai vu une vidéo. Babenga ka papa Oyo, Bantimba, tronçon, je sais pas, parce que j'ai suivi seulement à la télé, hein, donc j'ai imaginé, parce que je suis un citadin, Nazali Brazzavillois, je connais Brazzaville. Contrairement à ce que les gens pensent que parce que, Tovandi Kalana Poto, Toyeba Réaté, Ambokamse, Toyebiango. Tronçon, Azo Salaka, entre, je sais pas, Mazana, Nkombo, au niveau école à police, Bagosaka Batravo. Bakamati Batravo, lui-même et monsieur Bantimba est arrivé sur les lieux. J'ai pas la vidéo, j'aurais pu vous montrer la vidéo. Donc, comme il y en a, ils ont décidé, ils ont décidé de mettre un béton. Bah, étudier, ouais, mais pas, étudier, que, notion, ouana, n'a yévité, bah, le vide, ou de, ils vont mettre désormais un béton. Et le béton qu'ils vont mettre, bah, n'inga, bah, kamati, faire le 6 bâti. Bangola, écoutez bien, je vais vous dire, parce que en fait, l'intelligence parfois est allée qui, il y a quelqu'un qui salue. Bango, normalement, les basala qui va utiliser que fer de 8. Au lieu d'utiliser le fer de 8, Bango va utiliser fer de 6. Ben quoi, va utiliser fer de 6. Lorsqu'ils ont utilisé le fer de 6, va le mettre au doublé. Fer de 6. Donc, tu as mis balai. 6 plus 6 égale 12. Oh, Bouzoba, il est quel ingénieur. Il confond le fer de 6. Bah, quand même, tu as mis balai, bah, ti. Et puis, la fer de 8. Hier, yeah, Bossani, que fer de 8 est plus résistant que le fer de 6. Même si on a mis balai, Camille, elle est qui n'a dit qu'on est qu'au bout qu'à faire de 6, n'a yon mi balouana, banangangou, zalana maye, les ingénieurs, les relais canatélé, ozoa. Et là, Bantimba est content. Et les gens pensent que c'est juste. Et c'est normal, mais non. Ce n'est pas la quantité qui compte. C'est la qualité. Alors, je n'ai pas compris qu'un fer de 8, parce que le fer de 8 est alima kasi, et ce qui camille les qui, peut-être est qu'au bonzate, ce qui n'a kamati fer de 6, n'a kamati 6, n'a 6, n'a banki si et comme 12, y'a moi qu'on résiste. Ma yel a moi ouchiwapi. Wana ma yel est ouchiwapi. Wana quelle notion? Est-ce qu'on a besoin d'avoir fait polytechnique, ingénieur, ou bien d'Harvard ou Mbota, comme me dit là, pour comprendre cela? Et c'est ce qu'ils vont faire. N'est qu'on de, bon, même quand qu'on a, les vidéos existent, vous allez voir les vidéos, et Bantimba était content, à Sibi Bouelo Keto, à Kotambola et ce pavane. Rien que ce petit détail-là interpelle les gens. Et Nobi Awa, bah, qu'on gloutit Bambongo et Belekuna. Ceux qui Bambongo n'a pas englouti et Kuna. Et Bonzani, ils vont encore sortir l'argent pour faire encore les routes. Attention. Voilà comment on gère notre pays. Qu'est-ce que ça coûtait? Au lieu de dire non, nous allons pas mettre les fers de 8, on va mettre un fer de 6, plus un fer de 6, Bassali calcule à Bango, 6 plus 6 égale 12, ils ont dit que c'est plus solide que le fer de 8. J'espère que, bah, espère, oh, bah, yebi, bah, yebi, sabango, ça n'a rien à voir, fer de 6, plus 6, plus 6, n'a faire moins quoi.
Ah, Kian, rions un peu. Nous allons quand même se détendre, ok. Nous allons repartir parce que les colères que nous t'accordons. Bête qu'on a pointe noire. Bête commencer quoi la pointe noire, bête quoi la quartier, bête que Bokila, OCH, vous pouvez demander dans la régie s'il vous plaît, ce que vous coquille, coquille, abisso, vidéo, moko, oyo, totala, makambe, comme le collega, nambo, cannabis au Congo, on a vendu le pays aux étrangers. La régie, s'il vous plaît. Baninga, ici nous sommes à l'OCH de Pointe-Noire. Ce que nous vous montrons ici, ça, ce sont des maisons qui appartiennent, ces bâtiments-là appartiennent à des sujets étrangers, des Maliens. C'est-à-dire que vous avez compris, nous avons laissé tous nos commerces auprès des étrangers, boulangerie, les commerces de proximité, Babylon, Cognos, Sotouana, Topessi, Bagoba, Jérék. Vous partez au grand marché, vous allez voir ceux qui détiennent tous les magasins là-bas, Bohémie Banane. Ce que vous cueillez partout, ce sont les étrangers. Même à côté de Sarabiso, Bilia, Nakatia, Mbo, Cannabiso, ils allaient à l'étranger. Et ils ont compris que non, comme finalement, au Congo-Brazzaville, les gens ne font absolument rien. Ils sont rentrés maintenant dans l'immobilier. Et c'est eux qui ont pris maintenant, ils commencent à construire des maisons dans nos quartiers pour récupérer même l'immobilier. Eux, les promoteurs, ce sont maintenant des Maliens, les Sénégalais, les étrangers et les locataires, ce sont maintenant des Congolais. Dans mon cannabis, au Moko, même l'immobilier, aucun domaine, au Kofi Kokende, au Sepeli, même domaine, il y a immobilier, bah, Botolibi, son domaine, ouais, mais bah, Botolibi, son domaine, on a Ponani. Pourquoi on nous a ravi ce domaine? On n'est pas même Kakwanda, Kotokoko, Tongato, Tiaba, locataire. L'État est défaillant à construire des logements sociaux. Bon, moi, dans le logement social, on a, ti ma kola lela, ti e koukoufa, ti e koukouya, ata motomaka kouva na kounate. Alors que ça pouvait déjà soulager les gens. Et après, moi, je suis pas contre ces promoteurs qui viennent. Il vient avec son projet, projet immobilier, à Tongi Bandako, bah, tant que Télémi, bah, locataire, bah, il va sobi, ou bien va louer. Mais ce que je constate, que Bissomoko va congolais, on ne fait absolument rien. Et aujourd'hui, lorsque vous retrouvez, regardez ces logements sociaux aujourd'hui. Bah, logements sociaux, n'a biso, oyo, bino, bozo, mona, batonga, ma titi, c'est bibi. À quoi sert ces logements sociaux? Si on peut pas donner ça, bah, congolais, bah, utiliser, en gros, le banabiso, ça coûte combien? Dites-nous combien, parce que moi, je vis en France dans des conditions plus ou moins bonnes. Ça, c'est vrai. Lorsque je vais arriver, bon, que notre charan, d'accord, et toilette, les alités, cuisine, les alités. Donc, ce mandat, quoi, là, bon, le mi, bon, qu'on peut s'habiller, biso, t'en reçois, mi, l'autre, on a biso, t'en reçois, on a congo, t'en qu'on nous vanda. Ma, comme, on m'issou, sou, est bloqué, que biso, ah, on a poto, et ça, ma, comme, soutenir, en gros, ma, condition, les alités, ma, les alités, électricité, les alités, n'a qui toque, on peut, les alités, moi, y'a qui toque. Mon thème, y'a ma, bé, y'a ma chef, n'a biso. Je vous ai toujours dit, ces gens-là, s'ils avaient la possibilité, je vous le jure, que dans toutes les maisons, vous en avez climatiseur, s'ils avaient la possibilité, que vous en avez voiture, s'ils avaient la possibilité, ben vous avez une voiture climatisée, ben qu'elle vienne à la voiture climatisée. Parce que, parce que ça, c'est la sorcellerie. Vous avez construit des maisons. Bon, d'ailleurs, le dimanche dernier, on a parlé, on a eu des pistes, et Serge Wakamabe, dans l'émission le 17h dimanche, où on a donné la parole aux auditeurs ou aux internautes, comme si vous voulez, Balobi, Wapi Bapi, c'est ça qui prend là-bas médecin d'Abissou. Il a proposé, mais les médecins qui viennent de Cuba, là, Bahouti Poto, Poto, c'est pas le Congo, croyez-moi. Vous qui n'êtes pas encore venus en France, Maninga, Poto, c'est pas le Congo. Poto, ils allaient là comme au Soussou. Ils allaient là comme au Soussou. Toi, moi, c'est paradité. Bon, dis-moi, la naï, na coco sabinoté. Toi, zali, moi, c'est paradité. Alors, moto, avant, il y a un poteau à voyager, à moni, bilan, comme sous, chaque toc, on s'en zongi. Bah, ça, l'école. Bah, une formation. Il faut pas embaucher, bango. Mais donnez-leur les maisons. Bon, ça, bango, crédit tous les mois. Si vous voulez retirer, je sais pas combien, sur leur compte, c'est vous qui gérez ça. Mettez-les là-bas. Mais ça, mon aïe, qui ben, tout là-bas, qu'on avait. Ça, mon aïe, qui ben, bloqué, bah, ça, mon aïe, qui ben, ils ont levé, bah, t'occuper, bah, une zoïne. Et, comme ben, ça, qui me fait, qu'est-ce que les étrangers font? Les étrangers ont récupéré ce marché-là, et comme il y a bango, bah, comme il y a vandakuna, bah, comme il y a sala, nyonso, bah, n'ingi, nabo, soto, kaka, n'engue, bisoto, yibi. Alors, bah, pangamono, ben, tu commences, kwenda, ben, kwenta, là, bah, promesse, y a gouvernement.
Ah, tata Jidas Mayela. Nayo ki ba bengyo Jidas ki zoba quelque part. Ngate, nayo ki na tangiga quelque part. Tata Jidas Mayela, biso nayo le lot o koutani yawa. Mouke tout la ben o video ya papaya Jidas Mayela. Andi, voilà, la régie, s'il vous plaît, papa, ti, ngate tout la ba régie. Ben tout notre video ya papa Jidas Mayela. Aujourd'hui, je reçois pour vous monsieur Jidas Mayela. Il est conseiller du Premier ministre, chef du département de communication. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Au menu de cet entretien, le phénomène des érosions, l'affaire dite de la mairie de Luanzili à Pointe-Noire. Voilà pour le sommaire, madame, monsieur. Une fois de plus, bonjour. Il s'observe à Brazzaville un phénomène des érosions. Écoulement de boue, maisons englouties, population sinistrée. Et tout de suite, on a envie de dire quelle est finalement la riposte du gouvernement. Il faut déjà retenir, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, population, c'est vrai que quand nous sommes éprouvés, et le voisinage, et vous-même qui êtes directement frappé par le sinistre, nous gérons tous l'émotion. C'est normal, c'est humain. Mais un gouvernement ne gère pas la chose publique de façon émotive. C'est froidement que l'on gère les dossiers. Je puis donc vous dire aisément que les questions sont gérées au plus haut niveau. Nous assistons à plusieurs réunions interministérielles sur ces questions-là. Nous habitons tous dans le même pays. Nous sommes tous dans la même ville. Nous voyons tous ces images diffusées dans les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels, de cette érosion qui est en train de prendre l'ampleur à Saint-Denis, des difficultés de vie et de mobilité du côté de Ngamakoso. Ngamakoso. Mais moi, si je vous le dis, si je suis au courant, c'est clair que le Premier ministre chef du gouvernement est au courant. C'est clair que le gouvernement est au courant. La question va être traitée par le gouvernement. Le Premier ministre dit souvent qu'il n'aime pas donner des dates. Parce que c'est ça aussi, si on dit le 12 janvier, on lance les travaux. Si le 12 janvier, il y a un orage, on a du mal à faire mouvoir le matériel, on dira, on nous avait promis le 12, ils n'ont pas fait. Mais d'ici à mars, je peux prendre le risque de vous dire que des choses se feront, que le gouvernement qui est à la manœuvre n'a pas abandonné sa population. Mais ce sont de gros sujets, ce sont des travaux très importants qui vont nécessiter une mobilisation financière importante. Et ça, ce n'est pas en se levant un matin et dire on va attaquer l'érosion. Dans l'actualité également, monsieur le conseiller, cette affaire dite de la mairie de Luanzili, affaire dans laquelle un proche du Premier ministre serait impliqué. Qu'en est-il réellement ? Bon, je ne sais pas ce qu'on entend par un proche du Premier ministre. Vous savez, le Premier ministre Anatole Colinet-Makosso est un enseignant à la base, est un ancien de l'UGC, branche juvénile du Parti congolais du travail, aujourd'hui membre du bureau politique. C'est le grand frère de beaucoup de jeunes dans ce pays. Il était ministre de la jeunesse. C'était le grand frère de tout le monde. Beaucoup de jeunes l'ont approché. Et ayant été formé dans la maison du président de la République, il a réfléchi comme le président de la République. Confier des tâches aux jeunes cadres de notre pays, prometteurs, patriotes, qui pouvaient porter haut un certain idéal. Donc, quand aujourd'hui le Premier ministre propulse des jeunes, ou du moins contribue à la propulsion de certains jeunes au niveau de l'administration, mais quand on vous a fait confiance, méritez cette confiance, cultivez-la, donnez raison à ceux qui vous ont fait confiance. Nous n'allons pas aujourd'hui condamner un papa qui a mis son enfant dans une grande école, ensuite qui a confié des tâches à un enfant, et un enfant qui en a fait n'importe quoi. C'est trop facile aujourd'hui de dire un proche du Premier ministre a été interpellé. Il n'y a aucun lien. Il n'y a absolument aucun. Les amis, Jidas Mayela. Jidas. T'as vu, hein? La lecture, c'est autre chose. Mais le rendu, c'est autre chose aussi, mon cher. C'est une école. Ça s'apprend, hein? Ça s'apprend.
soit tu es inné, comme des gens. Moi, je n'ai pas fait journalisme, mon cher. Je n'ai pas fait journalisme. Je n'ai pas fait les études de journalisme, mon cher. Mais le rendu, il y a que qui m'a caca. Alors, Jidas Mayela, nous allons partir dans le fond du problème. Ngeme zonzo pilia, il fallait mettre vingila na moi, ya mars, ya y, ba mambo ya érosion, ben zola yidik ya. Où en sommes-nous? Est-ce qu'il y a des témoins de Ngamakoso? Est-ce qu'il y a des témoins de Filou Ngamaba? Est-ce qu'il y a des témoins au Congo-Brazzaville qui peuvent nous dire que non, les choses ont changé et que ce gouvernement des minables, ma gouvernement, des incompétents, ma gouvernement, ma banque, la dirigeante, ma yidik, ma mambo, quotidien bête. Est-ce que Nangamakoso na lingina mona awa bolo banangai batowana ba Borisi Likambo parce que Jidas Mayela devient le porte-parole du gouvernement. On ne sait pas s'il est porte-parole du gouvernement, s'il est porte-parole, comment on appelle ça, du premier ministre, et on sait qu'il est conseiller du premier ministre, chef département, communication. Il y a la primature, mais il y a Nangamakuizonza au nom du premier ministre, il parle aussi au nom du gouvernement. Est-il devenu porte-parole du gouvernement ou bien parce que il y a déficit. Le porte-parole du gouvernement, Elazola Roussala qui s'aloya neve, lui il comble le vide qu'il y a. Peu importe. Alors, mon colonel, Léna, le Bakinabiso na moi à mars, d'ici mars. D'ici le mois de mars. Là, l'interview, les cagations qui n'a moi à janvier, d'ici le mois de mars. Le premier ministre n'aime pas donner les dates. Tu ne nous as pas donné les dates. Nous sommes au mois de mars. Wapiya. Un gouvernement menteur, avec des collaborateurs menteurs, et qui ne manient pas, qui ne savent même pas s'exprimer, parce que sur ces sujets-là, il faut faire très attention. Toi, tu viens devant les écrans. Gekakui zon za d'ici mois à mars, baka yidik ma mambre ba érosion, betu kwe nam filou ben talakima, nangama konsomel metal kima, wapi kimbe le tala, to moli banzela kaka wasika suko na wucho laksabino na ri itumbi bo mwen ba pasi. Ce qui te zone à la qui s'y bino encore paix, bat sujet à oua, posez à la l'axabino, bon, qu'on a tala, pas si y'a bat bateau, y'a Congo populaire, y'a Congo l'abisso, oui, baniga, botala à oua. Bah, oye nini. Est-ce que ma érosion, oye tozo, mon a oye oué Jidas Mayela, ben me yidik ya ou. Est-ce que ben me yidik ya, comme gemme koumou porte-parole du gouvernement? Demain, tu vas encore venir nous dire non, ce n'est pas le premier ministre qui devait le faire, mais tu as parlé au nom du gouvernement. Tu as pris les engagements, puisque tu as dit si tu es au courant, le premier ministre est au courant. Yo, yu, qu'on soit engagement devant bateau, awa, et au vérifier que ce qui est premier ministre, d'ailleurs, a qui capable de gérer ma camoy. L'aide pour Isaac, à Gaillard de moi, n'a qu'on vende, n'a cravate, costume, tout ça, n'a vende. Hein? N'a qu'on l'acquis, c'est une gueule géant. Eh, c'est pas du parce qu'il y a une dernière zabo. Même ouais, mon cher. Oyo, y'a qu'on la déclaration. Wapiango, déclaration. Ou t'as qu'on la togo tuna yo. Ba congolais, ba zo tuna yo, motuna. N'ge sala déclaration. Na ba chaîne web ya, n'ge salak. N'ge me kuizu zoz na beto na moya ya mas mam ke yila ma wapiao. Wapi eloke salami. Ata eloke mon côté. Mawa na yo, mon cher. Et pe sabiso mawa. Alors, ba pangamoun. Mozaba ba panga monu mosi ba ke na kote ya na pesubino pembote bazo zela kangai. Ils m'attendent aussi au tournant ceux qui sont du côté du trésor. Bato bazali kuno ba traka na ministère des finances. Na yo ki bambela na bino. Mumeku wa beno, je vous ai entendu. Mais ce n'est pas pour la première fois qu'on parle au Congo Brazzaville ici là. Monsieur Pierre Albert Ngondo. Mais c'est qui est Albert Ngondo? Mais qui est Albert Ngondo? C'est le trésorier payeur général que depuis le président de la République est arrivé au pouvoir. Il y a lui et lui seul qui est capable de compter l'argent au Congo-Brazzaville. Ce vieux papa retraité, Yandina, c'est à lui, le président de la République a jeté son dévolu. Kakani Yand, il est là, compté Betwambo. Mais le vieux, il est fatigué. Ce papa-là, il est fatigué, il est pris par l'âge, il doit avoir peut-être même 90 ans, s'il ne faut pas exagérer. Mais ce papa-là, on lui fait signer des papiers. À signer papier, il y a bateau, oh, il y a Kendeko, ça, la recouvrement, contrôle à Pointe-Noire, mission de travail, Nabango, du 22 février au 22 mars, pendant un mois. Banani, Bakende, Kikuna, Bango, Nyon, surtout, on a la Kachalis, on a la retraité. Bali, va retraité. Au lieu de faire valoir leur droit à la retraite,
ni ba wina kina ku continue ku salaka ole na ku bika place na ba yina kele kuna ba feta salaki sabina e bino ba retraité soki bokangami na ba place bana oya sima bazo yaka ba ko sala makoloni soki bino bolobi bino bo vanda ka una ka bino bana na biso oyo ba ko sala makoloni bo yebi sanga makolo ya leloyo ezali mawa makambo tozo mona ka na Congo Brazzaville. Alors monsieur le TPG soki ministre de l'économie et des finances, il faut ben tabet mambouyaï. Il est inadmissible. Les retraités doivent aller à la retraite. Ceux qui doivent travailler, laisser la place aux jeunes. Et les jeunes doivent travailler. Honte à vous. Honte à vous. Vous vous accaparez. Bah, bon, qu'on quitte. Oh, bon, yibi, mingouane, qu'on quitte. Même ceux qui m'ont yibi, qu'on continue toujours, mon yibi, zanabino. Si vous voyez qu'on couffe, bah, bon, on a la catch. Mais c'est pas possible. Vous avez une boulimie. Mon yibi, mais l'outil, ben, non. Yibi, mais la même koukafé. Il y a quoi? Pourquoi vous vous accaparez pour aller faire le contrôle? Ce qui contrôle à moi, c'est la carte normale. C'est que Nassima contrôle, il se passe les choses. C'est que Nassima Kuna, n'a qu'à m'en les carakuna. Bon, il y a un bon, bon, il y a un magou, il y a un place, on a un gaouti à voter. Honte à vous. Alors, Baninga, nous allons maintenant aborder le plus gros sujet, il y a Boubiaï, concernant les magistrats de la République. D'accord, les Kisabino, et là, comment d'abord? À votre banana, il y a un magistrat, non, les Kisabino, vidéo. Je vais demander votre indulgence. Je sais très bien que les lots, ceux qui n'ont pas l'écrit, c'est un peu beaucoup boudé. Mais on a un peu la lingue de temps en temps. Donc, tu as, ah, mais avant, tu as, toi, tu as la nani, mon linga n'a plus au, le futur président du Congo, Baninga, toi, qu'elle est la régie, tu as plus au, tu as la, moto, et vas-y, préparé, à la présidente de la République. Nous sommes très heureux de nous retrouver en face de vous dans ce lieu historique parce que vous regardez vous-même ce que vous avez donné aux marchands d'Oyo. Maman Yaoyo Mbote, Azoyo Kate Mbote la Binonyose. Les lotos à le 8 mars, le 8 mars, na bambo kanyoso, eza fête ya ba mama. Ba mama, en général, eza fête ya basi nyoso. Yangwana lelo, ngana, mama na bino, bino moko boye bien, mama Nathalie. Bon! Voyez-vous celui qui va diriger le Congo, Ngana Mama, Mama Nabino, Mama Nabino, Bino Mokobo, Yebiye, Mama Nathalie. Ah, papa. Ah, Sam Naï qui venait Kwena Salabeto Piliay. Mais toi, tu es marié? Toi, tu as une femme, elle s'appelle Nathalie. Et comment elle appelle ça? Elle s'appelle comment? Nathalie Bumba. L'autre, elle s'appelle comment aussi? Bon, bref. Et l'autre, comment elle s'appelle la femme légitime? La gabonaise, sur ivoirienne et tout ça là. Le nom a commis un anneau. Mais moi, la quinte, tu as pas, qui fait un respect. Osa, Daniel, voilà. Elle s'appelle Daniel. Mais ta femme est légitime, c'est Daniel. Ce qu'on a vu là, il fallait nous dire l'une. Moi, quand il y a ma maman Nabino, l'une de vos mamans. Peut-être on va te comprendre, puisque tu es peut-être polygame. Le président polygame, tu veux être un président polygame. La polygamie n'est pas interdite au Congo Brazzaville. Maintenant, ton monité n'est pas au Kenako Bala Daniel. Bisoto y est bien né. On connaît pas Daniel. Non, on connaît pas Nathalie, on connaît Daniel. On connaît Daniel, on connaît pas Nathalie. Oh, le babi, bien. On la connaît pas, celle-là. Celle-là, c'est toi qui connais, comment on appelle ça, Nathalie? Azali, ma kangonayo, Azali, moi, c'est Nayotel. Respecte, et puis toi, tu veux quand même diriger les institutions. Ton sillicité, ton kei, si quoi, encore dans la régie, maninga, ton kei, neko, yoka, papa, oyo, asolola, alo, babiso, makambo, oyo, azo, kanisa, pour la ba magistrat. Le premier ministre? Non, c'est pas ça. Parce que là, Nati Abino, vidéo, Oyaye, Azolo Babiso, Makamoya Banani. Bon, non, on y va. Une stabilité institutionnelle, ce sont des choses qui comptent. Mais au-delà de tout, il va falloir qu'à un moment donné, les constats étant faits, qu'il y ait un peu de sanctions. Parce que tant qu'on n'aura pas la sanction, que ce soit pour les magistrats,
qui prennent parfois des décisions de justice à l'encontre même de la règle élémentaire de droit, on aura toujours des problèmes avec les partenaires. Lorsqu'ils sont condamnés à tort, ils plient bagage, ils s'en vont. Il y a des cas actuellement qui sont en instance parce qu'il y a des mauvaises décisions de justice qui sont prises, qui ont tendance à faire partir les investisseurs. Et il en est de même pour les cadres au sein de la... Foutage de gueule. Un déni Christian Sassou Nguesso qui est en train de nous dire ceci, que non, les magistrats prennent des décisions qui vont à l'encontre des notions élémentaires de droit. Mais Denis Christian Sassou Nguesso, je te rappelle, les magistrats sont nommés par ton papa Denis Sassou Nguesso. Ok, il n'a qu'à tcha bureau na yé, kené n'a qu'à tcha bureau na yé. La matinale était là-bas. La matinale, c'est à Kotchukuna. Regarde, il y a un lot de dossiers comme ça sur les plaintes des magistrats que ton papa nomme. Papa na yo, yémo t'a nommé que ton père, c'est le président. Yémo t'a zali, le président de la magistrature, yé, papa na yo. C'est lui qui nomme ses magistrats. Toi, aujourd'hui, tu es en train de te plaindre parce que papa na yo. Je te rappelle que c'est ton père qui nomme Bouka. Je te rappelle que c'est ton père qui nomme Okongakala. Je te rappelle, c'est ton papa qui nomme, mais monsieur, comment appelle Iloki? Je te rappelle, c'est ton papa qui nomme celui qui sème aussi la terreur à Pointe-Noire, Ivanza. Oyoki papa. Donc ma plainte au Salawana, c'est du foutage du gueule. Ce qui au lingi réellement que papa Nayo, que la justice soit rendue, va voir ton père qui s'appelle monsieur Denis Sassou Nguesso, qui n'est autre que le président de la République, qui lui-même participe à s'aimer ce désordre. Au lieu de venir te plaindre devant les députés, ou devant Bissoma Congolais, au Kenekuna. Tant qu'il est sur la régie, bon Kenekota là, c'est Makambo Oyo, Tomoni, Bamajra Bissoma Salaka. Baminga Langaï, Lélo Oyo Toko Solola, na papa Oyo Babengi, DJ Narcisse Ivanza. Papa Yai, DJ Narcisse Ivanza, Mouna Zabisa Beno. Yann kena ku salaka vrai désordre na katia ba décision yann kena ku bakak. Mouke zabi sa ben ba mambu mingi kena ku salaka papa yai. Ce monsieur-là est plongé dans des situations aussi dramatiques et que ba décision yann de plus personne n'arrive à comprendre cela. Na kope sabino ba exemple misato. Yali bosso. Na Kolobanabino, Makambo Oya, procureur de la République près de la cour de grande instance de Pointe-Noire à Salaki. Bango Bazali, même Bango mi balé ba juridiction ané à Brazzaville et à Pointe-Noire. Donc Bango est magistrat de la cour des comptes et peu de ceux de l'inspection générale. Na Lobinabino Batowana, il perçoit sur le président de la République qui avait décidé à relever Bango ba salaire ba indemnité à Pessa Bango. Na katcha ba magistrat, le comte de Courbevoie a beaucoup d'amis qui sont des magistrats. Ba benginga iba sili ki ba lobi magistrat, ezali bac plus 7, non l'okuta. Bozali bac plus 4, plus 2 ans la formation na l'ENAM. Donc bozali niveau na bino, yali bac plus 4. Voilà. Na lingi, to reçois na après l'émission, bon, to reçois na likamote ba ninga nga magistrat, mais la yebi si bino, niveau na bino, yali bac plus 4. Ce n'est pas normal, bon, gagner un bon en coléka, ma professeur d'université, bon, va soigner que, ban, anabiso, batona, ban, ma famille, anabiso, na, ba, hôpitaux, ton, dimi, angote. Bango, la, lobby, nanga, y, boye. Papa, Brice, van, anayo, biso, ma, pesi, biso, indemnité, kaka, moke. Mon, indemnité, anakasi, ma, pesa, kana, ba, DJ, Narcisse, Ivanza, oyo, Iwanza, ma, pesa, ba, indemnité, anakasi, ba, okonga, kala, ba pesa ba indemnité na kasi na babuka ba pesa ba indemnité na kaka oko celui-là qui avait traité vous vous souvenez non le procureur de la République là oye non pas le procureur chef ya tribunal président ya tribunal ya procès ya mokoko wana oko là c'est lui bango wana bazwala ba salaire mingi mais biso na sima tozali na ta eloko mokote et je vous signale hormis na lebisibino Botala Bato, le président de la République a nommé Kayem encore, sous fond de tribalisme, au Kongakala, au Bach, au Bakrisian, au Nyangé, au Kombi, au Paul, Michel, Ivanza, etc., etc. Bangonyo surtout wana, soki bomoni, Oko, Oba, au Nyangé, au Kombi, au Paul, Ivanza, Bangonyo surtout proche, ya ethnie, ya président de la République, Maninga. Yangwana tozo monaka, wakole alena, en ce qui concerne les scandales judiciaires na Pointe-Noire.
Nakope Sabino likamoka ka moko. La honte au papa Narcisse Didier Ivanza azo salaka na biso na ba congolais soki to kei niveau de la CCIA à Abidjan cour na bango ko yeba kamna boya owada wana no. Boyebi no. Bo bazali na owada kuna. Alors, Nakope Sabino likamo tout récemment. Il a levé ce monsieur là Didier Narcisse. Il a levé les saisies d'attribution particulières est pratiqué sur les comptes de l'hôpital général El Wanjidi. Nape Sabino Kakawana. Pour des contestations élevées. 280 jours après la date de dénonciation des dites saisies, soit 8 jours, 8 après cette dénonciation, alors que l'article 170 des actes uniformes de l'OADA dispose que les contestations des saisies attribution ne sont recevables par le juge de l'exécution et que dans les 30 jours qui suivent la dénonciation soit dans un délai de 30 jours qui suivent la dénonciation. Or, dans le cas des saisies attributions pratiquées contre l'hôpital de Luandili Baninga Ngaboyoka, elles ont été dénoncées le 31 mars 2022 et l'assignation en contestation à l'hôpital a été faite le 6 décembre 2022. Soit 280 jours après cette dénonciation. Entre-temps, alors que le greffe du tribunal de grande instance de Pointe-Noire a délivré un certificat de non-contestation au créancier saisissant 49 jours après la dénonciation des dites saisies attribution, comme le veut la loi en la matière. Malheureusement, ce monsieur Ivan a trouvé l'occasion de passer outre l'article. Mais c'est malade, ce monsieur-là. 170 des actes uniformes de l'OADA et l'exercice du certificat de non-contestation que les collaborateurs immédiats Bango Mokob a délivré qu'au créancier saisissant l'actuelle directrice de cet hôpital de Luandili. Alors, n'est pas intérêt, d'abord, il y a comme Yibi, puisque les informations reçues et par notre n'est pas ma greffier Kuna va juger que yemoko wana azo saka bosoto na mosala na ye ya Luandiliwa. Alors là encore baninga bazali na côté ya Abidjan ezali soni der bazo monaka ndenge bazo sekaka ba juridiction ya biso ya le Congo à cause de qui, à cause de DJ Narcisse Ivanza. Il y a pas que ça, il y a aussi des affaires qui a coûté la prison à un huissier de justice concernant une décision rendue par ce même magistrat corrompu au grand mépris de toutes les règles de droit et en termes de milliards contre la société totale. Bon, yébi ma kamoya société totale, ça va éviter. Le seul maillon faible, on va voir qui dans cette affaire, alors que monsieur Ivanza a fait une bêtise, après avoir fait sa bêtise, monsieur Ivanza a tinaka usie, ni usie na balandaka, usie akotaka boloko. Alors, baninga nangai, asilisi kunate, récemment, ce monsieur Ivanza, Nadiem Sabino Baninga Nangai, Ezali Mamwa, Makamoya, Mawa. Soki bon moni papa Oyonanzela, il n'est pas normal. Il est méchant. Regardez la dernière histoire Oyaouti qu'on traité. Une parcelle à l'Ikamboya succession. La famille Mbemba Biela Micheline Baninga Nabissou. Bon yoka succession. Maman Oyoboye, feu assis à Koufa. Avant y'a koufa, azakana maman na yena papa na ye, ba tike la ka bango bino. Bo yoka, bo fongwa mato yena bino bo yoka. Ba zalakana bino kana bango ba bien immobilier. Ba kabola na bana na bango, ba pesyo yo mwana, ope mwana, ope mwana. Ba mama mbemba biyela Micheline yepa kamatia ye. Ba ninga misusu wana, ba teka bino kana bango. Mama oye atikali. Mama na ba parana na bango na akufi. Mama oye avwa koufa. Akamati bino ko ba papa na maman na ye ba pesa ye, ateki. Puisque ba kabola ka bango bino. Ateki bino kona ye. A mes sousou, et puis, entre-temps, avant même, kaka même, ça dit que ma pèse a yé biloko, maman ou mbemba biyela Micheline, a son balo pangonaye, na pointe noire. A son balo pangonaye, a kamatale raï ko koufa maman, a pèse a lo pangonaye, pa ya bada. Na yebi tendenge nini, papa Ivanza, o la wouti ko zwa moshi ku décision, a lobi ke ifo ba zonge la, bandako, o ba pèse a kana maman mbemba biyela Micheline, tango, ba mama na ba ou ba zaki na bo moi. Bo yo kanane a zaki na bo moi. Ba pesa ba ou ba bien ba ou. Yande an tekisaka. Donc yal me deside ke ba inzo yine an tekisaka. Ifo ya kota na succession. Ba nobi suko pe. Nda kona ye. O ya soma kana mbongo na ye mako. A erita ango men pa na papa na mama na ye. O ya tika na bana na ye. A nobi nda kona ifo ba teka ango. Oh! Et pire encore, encore là. Yali mwa juridiction. Li kabote. A nobi nga na tine bino mokanda yo. Bo sala na bino apel te. So ki bo sali apel, décision ou eko changete. Ndenge nini yo, ozali juge.
ozali na tribunal, o juge likambo, o sisi likambo na yo, sango sisi likambo na yo, o lobi na bato, bokene li sousou te, bokene même na cour d'appel te, parce que so bokene kuna eko changer te, voleur, corrompu, pon amine, parce que, azali na baninga, na kacha famille wana, ça dit que les magistrats, moi je vous dis les magistrats là, si ça tenait qu'à moi, ils vont passer des tours en prison. Bango moto atina kabison na poloko, mais bango faut pas qu'il na la prison. Les magistrats là, yé, ba ninga na yé, ba notaire, ba avocat, ba nini, ba ikota. Ces gens-là sont capables, ba pris décision, une grosse est sortie. Bah, et en plus, les amis, je vais vous dire une chose. Monsieur Ivanza doit avoir honte. Il doit avoir honte. Pourquoi il doit avoir honte? En suite décision, oyo, il n'a aucun document. Titre foncier aux anangote. Acte à propriété aux anangote. Moto a zan batoba, bana wana ya mama wana bana bidoko na wana ndako. Ba vanyi bwe, patala, moto a yi, oh non, decision yango yo, ndako yo, il faut bateka wo. Mais, nopana nga, osale yango nengedi. Wapi maji nge me sa, nge mos, nge me vanta, nge mes. Nge me sa, mais oui, bar nopana nga, il a fait beaucoup de malheur, il y a beaucoup de témoignages qui sont rentrés, mon cher ami, tu as tout à fait raison. Ce monsieur Ivanza Kosala, mais pourquoi? C'est avec la bénédiction de papa de Denis Christelle Sassou Nguesso, bah dossier naé, bah plainte des années bébo, boyé, ce qui boke na bureau, y a président de la République, en ce qui concerne les magistrats, mais ces gens-là doivent être relevés. Mais pourquoi le président de la République, tu nous gardes des gens comme ça? Des gens corrompus, tu pensais qu'il fallait mettre l'argent au Kabaron Bongo pour que bah soit efficace, mais ils sont pas efficaces. Il sème de la désolation. Bako sème désolation dans ma famille, à ma Congolais. Il prend des décisions à l'encontre. Regardez, je suis obligé de reprendre la phrase de Denis Christelle Sassou Nguesso et qu'on peut s'en aller kana. C'est quoi ces magistrats? Le Congo n'a plus de justice. N'a solo ni lobina moto, à qu'on l'obéna naï. Mais dès qu'on au Congo, il n'y a pas de justice. C'est la loi du plus fort. Le titre foncier n'a plus de valeur. Moi, t'as conquis qu'on changeait un titre foncier, alors que moi, je me souviens, je me suis dirigé auprès d'un notaire, à Salininga, titre foncier, à l'obinanga, il décon, au coco, qu'elle n'est pas eu au ligui, titre foncier, à ta même il est à conquis qu'on soit le dac, qu'on a yoté. Ah! Mais d'engue, n'est-ce pas, mon colonel, vous arrivez même à changer les titres fonciers. À l'obinanga, il met le problème, le pire, sont au commune tribunal, qu'on a un patoton, qu'on voit qu'à l'opango, chacun de nous a un titre foncier. Chacun a un titre foncier. Bon, dites-moi, vous les magistrats, comment vous faites pour délivrer, bien ma notaire, ndenanini, pour délivrer que ma titre foncier, bangotou. Oyako yaka, celui-là, il vient avec son papier, il vient présenter, monsieur Ivanza, il regarde, a traité sujet. Oyako yaka, nambon, on a wana, gros wana, banongoli wana, basal mosusu. Le même Ivanza, là. Si la famille Bemba, Biela, Micheline, basana mbongo, bakeko, talaye, Boko mon a changé jugement Oyemoko a signé à Kotia en faveur Yala Bana, ya madame Mbemba Biela et Micheline. C'est tout ce qu'elle attend, ce qu'elle a fait là, ce qu'il a fait là, il attend que la famille Mbemba Biela, Micheline, maman Oyobwe, Oyabota Bananae, Bana Wana, Basari Sambongo, Bakene Kotanae, soit appelé ceux qui 10 millions, ceux qui 20 millions, Likamwana au moins a changé encore jugement. Contre ma famille, il y a moi si Mbemba Biela Micheline. Bango Mbemba Micheline, wana pe. Ce qui m'a vendu encore, Basangi Simbongo, Bakeko ta encore Ivanza. Ivanza go kamata sous décision à l'encontre. Oh Yemoko a signé. Mambo Yason, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, wapi juge yina. Il y a tribunal. Yomoko Zokoma a commis Yemoko. A tindi et pas y'a ma conseil. Il y a famille, y'a bana bana mama oyo. A l'obina ibango boy, que nda, et l'autre décision n'a zubo que ne vous a sous appel te. Son qui vous sali appel jugement que changer te yonan, oye bin n'engeni. Déjà n'engeni, comment tu as fait pour rendre ce jugement? Mambo yaba magisa, que n'a goutali sa abeto passe na koro, on en appelle au président de la République pour mettre de l'ordre. Ces gens-là, ils sont en train de semer la terreur au Congo par sa vie. Bantou ya, que n'a goutala ma voisin. Y'a pas que lui! Ils sont nombreux, tous, ils sont nombreux, tous ces magistrats. Ils sont malhonnêtes, ces magistrats. Ce n'est pas possible. Comment on peut comprendre que ces magistrats sont en train de semer la terreur? Je vous ai dit, Naba Mfumu Toto, Oyako Yaka Kotalaye a proposé, je te donne deux parcelles.
Ce qui a passé deux parcelles, mon commande, papa au père a changé naé. Le pango batte qui s'acquit à sal mon kanda et commis a passé à vos propriétés et pas à mon tomosus. Comment nous allons évoluer dans un pays pareil, les amis? Ce n'est pas normal. Nous devons être conscients. Ça dit que conséquent, le président de la République, là où tu es, monsieur le président de la République. Talabi soli kambo. Yango ya nini au voteur nommé quelqu'un qui va OIOI, bazala, ba président, ba tribunal na biso. Tala makambo bazo salaka. Si tu n'es pas au courant, yoka makambo, olingi boye. Batoba lingayon denge nin, bakoko lingayon te, monsieur le président. Comment se fait-il batan opesi ba roba mbongo e bele? Tala ba, repense bazo salaka na population. Soko za o yebite, soko yebite, yoka biso. Mais ces gens-là doivent être relevés et en prison, emprisonnés. Les gens-là ne méritent même pas la vie. Nous reviendrons sur ces personnes-là. Ah, vivement, que Makambo ait changé dans Congo Brazzaville. Ces gens-là seront. Ça dit que Bango va kokende prison à Bango tous les jours. Donc, on soit ban à 5 ans, on peut savoir ma coffre dans mes cols, mais tout là, ngon, ngon, ngon. Tous les jours, tous les enfants, Bako sa mon longo, tous les jours, Makanisi, Bako changer. Alors, les amis, nous allons terminer maintenant par les annonces, comme toujours d'habitude, Waninga. Donc, maintenant, bon, qu'il y a one shuttle, kakandenge na yem, sakimino, alors, il y a un bateau qui est prévu, Baninga. Le bateau est prévu pour le 28 mars. L'enlèvement est qu'au salama, le 8. Donc, il y a 5 inabino, bon, benga, papa Marcel, kandenge, bino, moko, boye, biko, sala, bon, bengiye, ayako, tchik, inabino, ba, carton, et, bino, moko, bon, remplir, bloc, inabino, yako, yako, sala, enlèvement, yemoko. Donc, n'hésitez pas, allez voir papa Marcel, yan yan ke pesa beno, ben izaba numéro à téléphone yandi, ya ou ya yi, donc ça ne sert pas, ben hésiter, na koukwen koutala yandi, yan sa beno ba bim, yon so yi, nbile na solaka. N'hésitez pas, parce que, alors, baninga, kaka nenge na yebi sakabino, hein, kaka na yebi sakabino, bon moni ba référent, selon les localités bozali, n'hésitez pas, allez là-bas, allez le voir, allez contacter papa Marcel, akolipe sabino, et puis ba référent, eux bazali, awa, Bango Wana, ils sont prêts à vous accueillir pour aider qu'au facilité bino. Donc, na Katchaba, département, nyon surtout, azo tchaba référent naé, pour que a facilité, oyazana Marseille, oyazana Bordeaux, oyazali na Lyon, oyazana Nino, ezali et Sengomingi. Alors, les amis, ça fait toujours plaisir de vous compter, tous les matins, dans la matinale, oyoba benga ya matinale, batomingi baro benga, baro senga kanga, générique, oyoya mama ingani, mais, Nakope Sabino, générique, il y a Mama Ingani, tout à fait normal, Baninga. Alors, les amis, vous étiez dans la matinale. La matinale, c'est du lundi au vendredi, 7h, heure de Paris, 7h, heure de Brazzaville. On se retrouve demain, Nakacha, nouveau numéro de la matinale. Alors, n'ayez pas peur, les amis, que Dieu bénisse le Congo. Allez, ciao, générique. Lorsque nous mettons, on va dire, une marge comme ça, c'est pour nous permettre, justement, tôt ou tard, de retrouver la victime et que la victime vienne purger sa peine.